En phase solsticiale, les femmes ont une énergie considérable qui leur permet de prendre le dessus sur les hommes, quelque part. Et en phase équinoxiale, cette énergie plus ou moins arrêtée et tarie, et à ce moment-là, elle se retrouve à la merci des hommes, si on peut dire. Donc, j'ai un corpus de journaux, de correspondances intimes depuis une cinquantaine d'années et même plus que je voudrais mettre en équation par rapport à ce système qui va de 7 ans en 7 ans. Je pense que ça va être extrêmement utile pour beaucoup de gens pour comprendre leur vie sentimentale et les aléas, entre guillemets, de cette vie sentimentale, et les rapports de force qui changent, qui basculent d'une période de 7 ans à une autre. Et surtout, je crois, et c'est sur ce point que je voudrais insister, le fait d'être capable de profiter au maximum de chacune de ces phases, de façon optimale, disons. Parce qu'on s'aperçoit parfois que des opportunités se sont présentées qu'on n'a pas su saisir ou qu'on a fait avorter, et c'est un appauvrissement, mais en général. Donc, il faut se préparer à ces basculements, à ces opportunités nouvelles, quand on arrive à la fin d'une phase équinoxiale ou à la fin d'une phase solsticiale, pour changer son fusil d'épaule, pour changer d'attitude. Et si on ne le fait pas, eh bien, il y a un ratage qui est à craindre, bien entendu. Et donc, dans la lecture de ce document de plusieurs centaines de pages, on va pouvoir suivre justement cette intrusion, si on peut dire, cyclique dans ma vie, et comment à certains moments, telle et telle femme a pu ou voulu jouer ce rôle, ou n'a plus voulu jouer ce rôle, le rôle qui lui était imparti. Un cas intéressant, c'est quelqu'un qu'on a pu connaître en période, une femme qu'on a pu connaître en période solsticiale, et qu'on retrouve quelques années après en période équinoxiale. Et on s'aperçoit qu'elle n'a plus du tout la même attitude, qu'elle n'a plus du tout la même mentalité.